Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Ce soir, Maxime, oui. Pour commencer, un suspense absolument insoutenable. Insoutenable. Vous parlez anglais? Just a little. Oh, bah, vous aimez Londres, je crois, non? Yes, I love much. Ah, bah, d'accord. C'est pas gagné. Attention, compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais qui va sortir en cette temps? Bien sûr que oui. Je sens que vous frémissez, Laurent, à l'idée de découvrir la réponse. Frémissez, mon jeune ami, la fin du suspense, ce sera dans un instant. Frémis pas tellement. Pas trop, voilà. Frémis sereinement. Hein. Frémissement discret. La réponse dans un instant, mais avant ça, petit détour dans ce 5 sur 5 par le Touquet. Le Touquet Paris-Plage, c'est là qu'était organisé ce week-end le campus des jeunes républicains. Nicolas Sarkozy y était. Notre reporter Arthur Charron aussi. La foule des grands jours au Touquet. On remarque rien sur ces images. Est-ce qu'on peut revoir les images, s'il vous plaît? Je précise, contrairement à ce que ces images peuvent laisser penser, qu'il s'agit bien du campus des jeunes républicains. Les jeunes républicains. Visiblement, le contrôle à l'entrée, le contrôle des pièces d'identité à l'entrée n'a pas été parfait, parfait. Un campus placé sous le signe de l'unité. Et j'ai bien dit, l'unité à droite, c'est important. Hors de question que ce campus ne se transforme en une sorte de meeting triomphal pour Nicolas Sarkozy. Juré, craché, c'est le président par intérim, Laurent Wauquiez, qui le dit. On a l'impression que le parti roule principalement pour Nicolas Sarkozy. Non, le parti, il doit être au service d'aucun candidat à la primaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que le parti, c'est le lieu du collectif. Mon obsession, c'est que cette primaire ne tourne pas au pugilat. C'est une compétition, c'est pas une lutte. Et je veillerai vraiment à ça. Juré, craché, Laurent Wauquiez, lui-même sarkozyste, sera le garant de l'équité entre tous les candidats à la primaire. C'est promis, hein? Ce week-end, il y en avait quand même beaucoup pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais à l'inverse, on aura un rassemblement à la Baule le week-end prochain où tout le monde sera. Alain Juppé avait fait sa rentrée, François Fillon l'a fait dans un autre endroit et aussi avec des membres de notre parti. Tout le monde doit y trouver sa place et c'est très important pour nous. Oui, bon, ben voilà quoi. Est-ce qu'on peut juste réentendre ce petit oui de Laurent Wauquiez? Il y en avait quand même beaucoup pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais... Tout est dans le oui, on sent un tout petit peu d'embarras. Nicolas Sarkozy, lui, avant son discours, avait rendez-vous à la Maison de la Presse, séance de dédicace comme d'habitude pour son nouveau livre. Il y avait un monde. Nicolas Sarkozy va donc enchaîner pendant 2 heures les dédicaces, dédicaces, photos, dédicaces, photos. Il fait les deux en même temps, technique de l'essuie-glace. 500 livres vendus en 2 heures. Forcément, à la fin, il faut passer à la caisse. Alors, vous m'en mettez deux, moi. Alors, 18 euros. Alors, 36 euros aussi. 36 euros aussi. 36 euros aussi, s'il vous plaît, ce sera ici, madame. Bon, merci qui, finalement? Merci, monsieur Sarkozy. Tu m'étonnes. Merci, Nicolas Sarkozy. Allez, place au discours. Le mot d'ordre du candidat, là aussi, unité. Préserver l'unité de la famille, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe. C'est une absolue nécessité. Il n'y aura pas de victoire sans cette unité. Nicolas Sarkozy qui est un tout petit peu chaud et qui appelle donc au respect de tous les candidats. Chiche, on est allé voir ce que pensaient ses supporters des autres candidats. François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire. Je peux quand même pas dire ce que je pense. Chez Juppé, c'est un traître. Un traître. Alain Juppé, je pense qu'il est trop vieux. Bruno Le Maire, il est trop jeune. Fillon et Copé. Deux ordures. Monsieur Fillon, ça a été quand même son premier ministre. Pour moi, c'est un traître, s'il veut être à sa place. Alain Juppé, c'est pas l'homme de la situation, il est pas assez ferme. Juppé, non, rien. Il n'y a pas la niaque. Fillon, ben, c'est Poulidor, hein. Il sera jamais anctil. Hein. Unité, je vous l'avais dit, c'est beau tant d'amour, Laurent Ruquier. Magnifique. Magnifique. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une petite question. Vous êtes obligé d'avoir la réponse, ne regardez pas mes fiches. Qui est ce monsieur? Vous êtes obligé d'avoir la réponse. Vous, c'est pas le nouveau président, enfin le futur directeur président, racheteur en tout cas de l'OM. Propriétaire, il s'appelle Frank McCourt. Il a 63 ans. Oui, il y a un petit indice derrière le monsieur. Il est américain, richissime et depuis aujourd'hui. Chose, comment il s'appelle? McCourt. Voilà. McCourt. Depuis aujourd'hui, il est donc le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. C'est un jour heureux pour moi et ma famille.
Je suis heureux que nous nous soyons mis d'accord avec Margarita pour signer un contrat sur l'avenir de l'OM. Marseille est le plus grand club de football en France et probablement l'un des plus grands clubs de foot dans le monde. OM Champions Project, c'est le nom de code de son projet pour faire gagner l'Olympique de Marseille. Ça fait des mois, voire des années que Margarita Louis-Dreyfus voulait vendre. C'est fait. Franck McCourt débarque donc sur la Canebière, lui qui a fait fortune dans l'immobilier et dans le baseball aux États-Unis. Reste qu'il va devoir amadouer les supporters, évidemment, les supporters et le maire de Marseille. Bonsoir Jean-Claude Gaudin. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. L'OM vendu à un Américain, vous applaudissez ? Bien écoutez, je trouve que c'est pas mal dans le fait que jusqu'à présent, c'était la famille Robert Louis-Dreyfus, une famille industrielle qui a bien réussi et qui possédait l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, cet Américain, Frank McCourt, apparaît aussi comme un homme d'entreprise, comme une réussite familiale autour de lui, et je préfère ça que tous les fonds de pension dont on parle et dont on ne sait jamais comment ça se passe, et en tout cas, moi, je ne les connais pas du tout. Mais est-ce que vous savez, Jean-Claude Gaudin, combien est-ce que ce monsieur met sur la table pour racheter l'Olympique de Marseille et pour investir ? Je ne le sais pas. Nous n'en avons pas parlé. Je poussais depuis quelque temps Margarita Robert Louis-Dreyfus à vendre le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que l'OM, il y a bien entendu l'aspect de la compétition sportive qui est intéressante, à laquelle, bien entendu, je m'intéresse, mais je m'intéresse d'abord à la cohésion sociale de la ville de Marseille. Laurent Ruquier, est-ce que vous avez une question à Monsieur le maire de Marseille. Est-ce que j'ai une question à poser à Monsieur le maire ? Vous, le Marseillais. Est-ce que ce nouveau propriétaire a promis des joueurs ? Combien ? Et un entraîneur ? Parce non, non, nous n'en sommes pas encore là. Il y aura d'ailleurs tout Marcelo un processus. Marcelo Bielsa ne va pas revenir ? Il y a tout un processus, effectivement. Non, mais c'est bien que les journalistes, vous voulez tout savoir en même temps. Oui. Si d'ailleurs je savais le prix, je ne me gênerais pas, mais je ne sais pas. Je vous dis, je m'intéresse d'abord à la cohésion sociale. La cohésion sociale. 160 000 habitants, deuxième ville de France, pas beaucoup aidée par le gouvernement de la République, oui. Où il faut que nous nous débrouillons tout seuls. Eh bien, on se débrouille. Encore une petite question, comment est-ce qu'on dit Olympique de Marseille en américain ? Écoutez, ça, je n'en sais rien. Vous savez que je ne parlais anglais qu'avec Charles Pasqua, hélas. Merci Jean-Claude Gaudin, merci moi, d'avoir répondu à nos questions. I love much Marseille. Thank you. Merci d'avoir été avec nous. C'est n'importe quoi. C'était le vrai Jean-Claude Gaudin. Hein. Non. Ah oui, c'était le vrai. J'ai cru que c'était un imitateur. Non, c'était le vrai. C'est pas Laurent Gérard. Je poursuis ce 5 sur 5, pas du tout, avec la fin du suspense et du compte à rebours. Ah. 3, 2, 1, come on, Matteo! Et ça valait le coup d'attendre, non ? Ils sont beaux, hein. Ces six hommes et femmes sont donc des scientifiques qui viennent de passer un an dans ce dôme à Hawaï, sur l'île de Mauna Loa, un an enfermé pour reproduire l'isolement que vivront les astronautes qui partiront vers Mars. Un an sans voir personne, un an à sortir une fois de temps en temps, mais en scaphandre s'il vous plaît, un an à manger du fromage en poudre et des boîtes de thon. Dur pour le français de la bande Cyprien Verseux, qui est donc ressorti sans savoir que vous aviez recruté Vanessa Burggraf, sans savoir que vous aviez abandonné le flop 10, vous imaginez. Cyprien Verseux qui nous imagine tous dans un avenir pas si lointain sur Mars. Je peux vous donner mon impression personnelle. Envisager une mission sur Mars dans un futur proche est réaliste. Les difficultés technologiques et psychologiques sont surmontables. Vous iriez, Laurent Ruquier ? Non. Pourquoi pas ? J'aurais peur de m'ennuyer. Il y en a plusieurs. Oui, c'est une bonne réponse en même temps. Un peu de musique. Un peu de musique. Il faut bien choisir. Oui, c'est vrai. Vous avez une idée pour choisir, non ? Non, non, non. Non. Avec Anne-Sophie Lapix, peut-être. Voilà, voilà. Plutôt facile. Un peu de musique et de ne pas chalouper dans ce 5 sur 5. C'était hier soir les MTV Video Music Awards, cérémonie de récompense pour célébrer les meilleurs clips de l'année. Beyoncé, nominée 11 fois. Elle repart avec 8 trophées. Moi, je dis joli. Top tier, 5-star, sexy lovin' in the car. Make that wood, holly like a little bar. Vous avez
avez entendu, Beyoncé qui est bipée, qui est bipée. Les chastes oreilles des téléspectateurs américains ne supportent pas le moindre langage cru. En revanche, on peut tout montrer. Je vous l'avais dit, on peut tout montrer. C'est merci, chic. Mesdemoiselles. Merci aussi à Britney Spears. 8 ans qu'elle n'avait plus mis les pieds dans cette cérémonie. Vous savez quoi ? 8 ans plus tard, elle chante toujours en playback. Oui, c'est sympa, ses mains. Hein. C'est du playback, mais c'est bien fait en tout cas. Petite question, est-ce qu'on peut... Ah, c'est une idée. C'est un expert. Peut-on décemment, merci Anne-Sophie, peut-on décemment recevoir un trophée pour l'ensemble de sa carrière à seulement 28 ans ? Moi, je dis oui, mais uniquement quand on s'appelle Rihanna. She's a living, breathing legend in our industry. Ladies and gentlemen, the recipient of the Michael Jackson Vanguard Award for 2016, Rihanna. Rihanna récompensée. Les images sont chic. On est loin du burkini. Hein. Ah, c'est, on s'en éloigne. Top ou flop, Laurent Roquet ? Oh, plutôt flop. Ah, ah bon ? Ah, ouais. Vous y revenez au top. Au... Bah, flop, je pose la question. Maxime nous a effectivement.